Le montant de la transaction aurait atteint une somme astronomique. Maintenant, le ballon est perdu. La petite passe par-dessus pour tenter de trouver Morata. Il a vu l'appel de balle. Dzeko. Le gardien, c'est pas fini. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Allez, c'est dégagé. Ce sera un corner à venir. La sortie à l'instant d'Edin Dzeko. Il sort avec le sentiment d'avoir fait un bon match. Il faut dire qu'il a marqué. C'est toujours bon pour la confiance. Hein. Ouais, le Paris Saint-Germain peut continuer. Avantage. Ouais, l'arbitre qui intervient, ce sera un coup franc. Avertissement sans frais. Hein, finalement, il s'en sort bien. Hein. Si tu veux mon avis, l'arbitre a dû être extrêmement clair avec lui. Hein. Défenseur qui enraye cette action. Ah, il est passé, il file vers le but. Et il marque. Ah bah, il vient à peine d'entrer en jeu. Et c'est un de ses premiers ballons, il marque. Bravo. On voit sur ces images qu'il n'y avait plus qu'à la pousser au fond dans le but vide. Bah, même moi, j'aurais pu le mettre, Hervé. Même moi. Je ne suis pas sûr. Hein. À la lumière de ces stats, on voit que les deux équipes font jeu égal en ce moment avec des occasions de part et d'autre. Et aussi des buts, on l'a vu. Pour gagner, il faudra aller encore plus de l'avant tout en se montrant plus solide derrière. C'est un petit peu la base du football. Ouais, l'attaque enrayée. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de son neuf. Bah, ce serait pas mal, oui. En profondeur, oui, bien vu. Le tacle de la dernière chance dans la surface. Oh, un peu kamikaze, non? Ah, dommage, le ballon qui est perdu. Attention, si ça rentre. Voilà, parade exceptionnelle du gardien sur cette tentative à bout portant. Oui, d'ailleurs, je crois que tout le monde est en train de l'applaudir. Enfin, pour les supporters adverses, du coup. Ah, et la belle précision de Neymar sur ce corner. Oh, que c'est bien donné, ça. On cherche des solutions, là. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Ah, la passe en profondeur, attention. Attention, c'est pas terminé, malgré Navas. On a perdu par les Parisiens. On cherche une solution là. Un tir lointain. Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. C'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. Il a préféré ne pas prendre de risque. Le dégagement pour éloigner le danger. Il faut trouver une option disponible. Attention Navas, il a relâché le ballon. Le défenseur repousse de la tête. Anthony Weber. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Ah oui, la bonne passe. Il faut trouver une ouverture. C'est loupé. Cette tête ne donnera rien. Ça passe très loin du cadre. Ouais, mais il la reprend mal, donc du coup, c'est sans danger pour le gardien. Un petit coup d'œil au chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Morata, c'est pas bien centré. Allez, le ballon qui est dégagé. Ouais, cette rencontre qui devrait s'achever sur ce score. Ah, la bonne inspiration sur cette passe. On cherche la faille dans la défense adverse. Ouais, la tentative. Oh, il marque. Oh là là, au meilleur moment. Le Parc des Princes qui gronde et qui n'en revient pas de voir le PSG aussi mal en point dans ce match. Ouais, magnifique, magnifique cette reprise de volée. C'est le geste pur par excellence, celui qui demande une grande maîtrise technique avec de la confiance aussi. Crois-moi, il faut en taper quelques-unes à l'entraînement pour en mettre une au fond. Hein. Le PSG qui menait au score. Il reste 6 minutes, 6 minutes à jouer. Ah, on va vivre une fin de match passionnante. Le PSG toujours mené d'un but. Oui, à quelques minutes de la fin, ça pousse dans les tribunes du parc. Ça pousse même très fort. Allez, peu d'égaliser là. Dans la belle intervention du gardien là pour écarter le danger. Ouais, il n'a pas hésité à y aller à fond, c'est bien.
la belle précision de Ney. C'est repoussé par le gardien. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. La contre-offensive, toujours le but adverse qui se rapproche. Allez, il a un petit peu d'espace sur l'aile. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Ouais, non, pas. Le ballon qui est donné en profondeur. Et ballon dangereux car il y a Neymar. Oh, c'est encore chaud. Oh, l'égalisation. Oh, que c'est cruel pour cette équipe d'encaisser le but égalisateur à ce moment-là du match. C'est le huitième but de la rencontre. 4 partout, les deux équipes toujours 2-2. Bien défendu, il a coupé. Le temps réglementaire est donc terminé. Les jambes qui doivent être lourdes pour tout le monde, mais il va falloir disputer cette prolongation. Ils n'ont pas su se départager avant, donc là maintenant, il va falloir puiser dans les réserves. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Choupo-Moting. Oh, l'excellente parade du gardien. Ramirez. Il progresse vers le but. Ouais, le gardien bien présent sur le centre. Choupo-Moting. Et le couloir est désert, le PSG va pouvoir en profiter. Non, non, ça ne passe pas. Ouais, très bon tacle. Les Parisiens qui aimeraient bien gagner ce match, on le sait, seulement il reste peu de temps pour le faire. Attention, il peut aller au bout maintenant. Ils essaient de prendre le match à leur compte. Et Boa et Boa. Un bon espace directement dans les pieds de l'adversaire. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ils avaient vraiment l'occasion de prendre l'avantage au score. Morata. Bonne transmission. Personne ne peut reprendre ce centre. Ça passe au-dessus de toutes les têtes. Un mauvais dégagement là, attention. C'est pas passé loin, mais on reste à égalité pour le moment. Oh, c'est bien donné en profondeur. Eh oui, il doit être plus malin, plus patient avant de faire son appel. Transmet ce ballon. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Allez, attention, il peut centrer. Le tir. C'est la fin de la première période de la prolongation. Début donc de cette seconde période de la prolongation. Dernière ligne droite de ce match. Bon, attention aux pépins physiques. Ils vont pouvoir jouer la touche. Excellente passe. Oh, c'est juste à côté. Ah, mais enfin, le défenseur est bienvenu. Ça a obligé le tireur à précipiter son geste. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Le ballon en profondeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, le tir. Oh là là, l'occasion. Oh, le but.
C'est une action vraiment, vraiment bien construite. Une bonne séquence de possession collective pour ensuite aller remporter un face-à-face avec le gardien. Le PSG qui menait au score. Il est sa gueule. Neymar. Choupo-Moting. La claquette du gardien qui lui vit ce ballon. Et corner pour les Parisiens. Ah, la belle précision de Neymar sur ce corner. Pas mal le pressing de cette équipe. Neymar. Il prend sa chance. Ah, je me demande pourquoi il a tenté quand même. Hein. L'angle était très fermé. Ça manque de lucidité quand même. Il y avait mieux à faire. Ah, la passe complètement manquée. C'est cadeau. On cherche la faille dans la défense adverse. Chercher l'ouverture, bien sûr. Avec Neymar. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Leandro Paredes. Ça passe très très loin du cadre. L'occasion était belle, c'est dommage que ça finisse comme ça. Espérons qu'ils n'auront pas à le regretter. C'est un ballon perdu bêtement ça. On a envie de créer le danger bien sûr côté parisien. Choupo-Moting. Ouais. Ah, j'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que... Ah, il est allé au bout de son geste, mais c'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose. On poursuit son action. Allez, un centre, un centre. Ça n'ira pas plus loin. 2 minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Il cherche une solution. Et la contre-attaque qui se poursuit. Allez, il lève la tête pour le centre. Oh, le ballon dangereux. Oh, il y est. Ah, si les défenseurs ne le connaissaient pas, maintenant c'est fait. Hein. C'est son troisième but personnel. Bah, c'est tout simplement exceptionnel hein, ce qu'il nous fait aujourd'hui. Assez rare le coup du chapeau. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. À 6-4, je crois que ça faisait vraiment un bail que je n'avais pas vu ça. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Bah, je vais rien inventer. On a tous vu le même match, mais sa présence a été déterminante aujourd'hui. Avec... Il s'échappe. Oh, la nouvelle occasion. Azdine Toufiki. Et il marque. Oh, il marque. Oh, peut-être l'exploit. Oh, l'équipe favorite qui va s'en mordre. Ouais, défenseur qui enraye cette action. Ah, il est passé, il file vers le but. Et il marque. Ah bah, il venait à peine d'entrer en jeu et sur un de ses premiers ballons, il marque. Bravo. On cherche la faille dans la défense adverse. Ouais, la tentative. Oh, il marque. Oh là là, au meilleur moment. Et ballon dangereux car il y a Neymar. Oh, c'est encore chaud. Oh, l'égalisation. Oh, que c'est cruel pour cette équipe. Donc, ballon en profondeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, l'occasion. Oh, le but. C'est une action vraiment, vraiment bien construite. Et la contre-attaque qui se poursuit. Allez, il lève la tête pour le centre. Oh, le ballon dangereux. Oh, il y est. Ah, si les défenseurs ne le connaissaient pas, maintenant c'est fait. Hein. C'est son troisième but.